مشي حنو يا نهي كهيلة تنو كل ما يوتي ملقراتو العزيز ربي دا بيتو شري كل مش بحد بيتو كل حد ويبتو مقبلة فيلاتو لفني لوكي Bichot Torah vers la bouteille, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne journée. Je sais que je suis tellement heureux et content de voir et d'entendre des gens qui me disent qu'ils se réjouissent des petits cours de 5 minutes, 6 minutes chaque matin. Pendant qu'ils prennent le petit déjeuner, pendant qu'ils voyagent, lorsqu'ils partent en voiture. Et ce matin, j'ai préparé une très belle histoire personnelle qui m'est arrivée. Et de cette histoire-là, on va voir. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on dort, on est comme des morts. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Lorsqu'on se réveille, grâce à Dieu, la vie elle est retournée. Et c'est là où toute la journée commence. Il y a des gens qui vont se réveiller en mauvaise humeur. Il y a des gens qui vont se réveiller tristes. Il y a des gens qui vont sortir du lit sans heureux et contents. Pour ceux qui sont en mauvaise humeur et tristes, déjà, un point d'interrogation. Où est le merci à Hachem qui t'a réveillé le matin? Tu devais être content. Vous savez, c'est quoi la vie? Je vous donne la parole d'honneur. Il faut s'asseoir à ma place pour écouter les problèmes des gens. Lorsqu'il y a des gens qui viennent chez moi en train de trembler, en train de pleurer, parce que le médecin leur a dit, il faut faire telle et telle analyse, ou lorsqu'ils reçoivent une mauvaise nouvelle, combien ils sont malheureux. Et combien ils sont heureux lorsqu'on leur dit il n'y a rien. Lorsque maintenant on se réveille grâce à Dieu, on n'a rien, on n'est pas aveugle, on n'est pas paralysé. Au Hachem, on peut parler, on écoute, on s'habille, on bouge, on voit les enfants à la maison, on les réveille. La mère, ta femme, elle est à la maison. Combien tu dois être heureux et content de ne pas faire la tête? À quoi elle va servir faire la tête? À Bretagne, l'histoire que je vous raconte, c'est une femme qui me l'a écrit hier. Cette femme m'a écrit hier une lettre. Elle m'a dit que lorsqu'elle habitait à Gouch Katif, elle arrivait de la France, elle était très fatiguée, elle n'était pas allée dormir. Il s'est réveillé parce qu'elle a entendu du bruit, son fils David, qui faisait le bruit en bas. Alors, elle se réveille, elle va voir ce qui se passe. Au moment qu'elle voit ce qui se passe, elle entend un boum. Un très grand boum. La maison a tremblé, tout a tremblé. Donc, du coup, elle sort dehors, elle court dehors pour voir ce qui se passe. Tout le monde qui court à gauche et à droite. Bon, Hachem, ses enfants, ils sont en bonne santé. Elle remonte dans sa chambre. Elle trouve la photo de mon père, de Rabbi Moshe Aaron Pinto Alav Shalom, qu'elle était toujours accrochée dans le mur, avec une autre photo, qu'elle était tombée sur son lit à elle, et son lit était criblé de balles. Des balles de partout. Elle m'écrit dans la lettre, si David, son fils, il n'a pas fait de bruit, et elle ne s'est pas réveillée pour aller voir ce qui se passe, et pendant ce moment, la bombe elle est tombée, elle serait déjà en miettes. Regardez cette femme, voilà la lettre qu'elle m'a écrite. Regardez cette femme-là, elle m'a dit, voilà le miracle que j'ai eu avec Rabbi Haim Pinto, avec ton papa Rabbi Moshe Aaron Pinto, qu'au moment que je suis parti dormir, mon fils, il a fait du bruit, il savait que j'étais à la maison, il savait que j'étais fatigué, il savait qu'il ne devait pas me déranger. Et malgré tout, il m'a dérangé,
Ben, c'est Hachem qui l'a rendu inconscient pour me déranger, pour que je me réveille, et le temps que je sors de la chambre et descends voir ce qui se passe, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors, la bouteille, beaucoup de fois, on rate des choses, on ne sait pas pourquoi, on les rate. Et parfois, on se dit, pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Beaucoup de fois, mes amis, il y a des gens qui vont rater le permis. Ils ne savent pas que c'est pour leur bien qu'ils ont raté le permis. Parce que, il se peut que Dieu préserve, ils auraient pu faire un accident. Alors, il y a une femme qui me dit, oui, toujours, Abbé David, vous dites, il se peut. Je dis, ah, qu'est-ce que tu veux? Je dis, alors, tu crevais? Tu vas avoir ton permis crevé? Moi, je connais une histoire de quelqu'un, le jour qu'il a, il m'a tellement embêté pour lui faire des brachot pour qu'il gagne, et qu'il gagne, et qu'il gagne, et qu'il gagne, qu'il réussisse dans son permis. Et à la fin, je dis, écoute-moi, je t'en prie, lâche-moi, c'est, moi, toujours, j'ajoute une phrase. Si c'est pour ton bien, tu gagnes. Si c'est pas pour ton bien, c'est pas peine de gagner, tu échoues. Et il a réussi. Il est venu chez moi dire, mais David, voilà, vous n'avez pas fait la bracha, voilà, j'ai réussi. Le lendemain, il a fait l'accident. Il a fait l'accident pendant 2 ans pour se remettre. Donc, il faut qu'il recommence le permis. Et là, il a un problème parce qu'il boite. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. Mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Que le bon Dieu vous protège. Je vous souhaite à vous tous de bien réussir votre permis de conduire. Si Hachem y veut. Le bon Dieu vous donne la santé. Amen. Waqf lana zay khoutou, ya wuz khoutou.